Salut, c'est Brian Conniss et bienvenue dans The Last Tinker. Alors attendez, j'élimine les dissidents là qui commencent à me gonfler. Qu'est-ce qu'il y a petit? Voilà. Donc du coup, on était devant cette porte et il fallait taper le code. Donc il est B, X, A, X, B. On trouve le chemin vers la tulipe bleue. Donc du coup, on continue. Hein, pile où je m'en suis arrêté la dernière fois. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Progressons, progressons. Regarde, au moins quelques parterres auront survécu à l'attaque de ces fouleurs grisâtres. Bomber est toujours triste et ne cesse de pleurer son chagrin. Au nom d'autres fouleurs, ce n'est pas possible. C'est les petits à l'infini. Encore merveilleux, hurrah pour Bomber, hurrah à la tristesse. Tu sais, en utilisant X dessus, tu peux lui faire réaliser cette action et tu ne seras même pas blessé. Et ben, c'est parti. D'ailleurs, t'es en forme, Bomber. Eh bien, c'est vrai que je ne suis pas blessé encore. Ouais, il faudrait que je transforme le plus gros. Bon, ouais, c'est bien là qu'il faut aller, je pense. Salut, bande de peureux! Ah là là, plop, plop. Fuyez, pauvre fou. Bon, ouais, je vais finir. Attendez. Des petits ralentis, je sais pas pourquoi des fois. Hop, oulala. Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous devons trouver un des êtres champignons. J'en ai vu un au jardin chinois, c'est juste ici. Vite, ah, j'aime bien comment je suis tout gris blanc. C'est bien par là? Non, c'est pas par là. Ah oui, d'accord. Ouais, par contre, pour sortir. Ouais, facile, elle. Non. Ça ne marche pas. Voilà. Parfait. Maintenant, on passe par là. Ouais, j'ai trouvé le passage, il est là. Ouais.
C'était un joli plongeon. C'est un truc que j'ai raté. Raté un truc que j'ai raté, je sais pas. Oh là là, fais chier, merde, c'est où? Désolé, j'essaie de chercher, mais je pense que je vais bien mettre un moment. On verra bien. Je crois qu'au montage, rien à foutre. Irrespect. D'accord, j'ai compris l'idée. Là, il faudrait que ça reste toujours comme ça. Je veux bien, mais moi, si je fais le... Si j'utilise le truc là-haut, il va disparaître, lui. C'est pas bon. On passe à stopper comme ça, voilà, on n'entend pas. Alors, je vais essayer de joindre. Ouais, tout simplement. Bon, bah allez, hein. Remontage un peu. Allez, viens. Grand fou. Oh là là, la grisaille a dû gâcher sa voix, c'est terrible. Son superbe chant s'est éteint. Quelle a été mon erreur? Pourquoi n'ai-je pas pu m'occuper d'elle? Ce n'est pas de ta faute, tu ne peux être capable des actions des autres. Avec une autre fleur, je sais que tu y arriverais à merveille. Elle a une sœur qui vit dans la grotte à côté. J'espère qu'elle chante aussi bien qu'elle voit. Parfait.
Parfait, suis-nous et nous t'accompagnerons auprès d'elle. Pourquoi pas? Il y a des créatures à l'extérieur qui nous attaquent. L'amiral te réclame, vite. Allez, bah c'est parti. Donne-moi les sous. Et vous, l'amiral, vous recherche. Vous cherche. Il a ordonné les. Pff, j'ai eu l'éjaculation. Pff, oh là là. Là, je commence à fatiguer, je crois. L'évacuation du quartier et il a besoin de votre aide. Mais faites attention, les gens ont repéré une affreuse bête en chemin. Oh mon ami, nous n'avons pas le temps pour ça. Nous devons atteindre les grottes pour aider l'esprit bleu à trouver une nouvelle fleur chantante. Je crois qu'il veut évacuer les habitants de Creek Bleu. C'est le village des touristes près des grottes. On va lui parler si tu peux passer. Mais attends, je sais qu'il m'attend. Ploc, 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 ploc. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, on la passe celle-là. D'accord, j'ai compris. Attends, j'ai juste attendre pour pouvoir être pratique contenu. Nickel. Ah, sa gueule. Ça y est, il y a un but. Et hop là. Du coup, progressons. Je vais essayer de bien parler parce qu'il y a du bruit dehors. De toute façon, c'est le dernier épisode de ma session, je pense. Après, je ferai peut-être une session le lendemain pour moi et pour vous, ce sera la semaine d'après, hein, parce que hein, normal. On publie qu'une par jour, ça va déjà pas mal, je trouve. Oui, attends 2 minutes, Amiral de la Apocalypse Boom, là. Allez hop, qu'est-ce que tu me veux? Ah, vous voilà, les amis, j'ai ordonné l'évacuation de notre quartier et j'ai de nouveau besoin de votre aide. Désolé amiral, mais nous devons trouver une fleur bleue, la sœur de ma douce Eva. Puisse-t-elle retrouver un jour sa voix et sa splendeur? Le grand esprit bleu, vous l'avez trouvé. Esprit bleu, je t'aiderai de mon mieux. Tu trouveras ta fleur sur l'île que je compte t'évacuer. Oh, quelle coïncidence. En effet, vous devez entrer dans la grotte et chercher la fleur pendant que je mets la population à l'abri. Au quartier du marché. Embarquez quand vous serez prêt à partir. Dans le bateau. Bon bah alors dépêche hein. Ça fait bizarre cet effet flou. Personne ne peut entrer ou sortir de la ville. Ordre direct du maire. Vous pouvez entrer, amiral. Mais le singe doit rester dehors. Ce garçon est mon homme de confiance. Il m'accompagnera et je ne veux pas entendre un seul mot. Oh, dans ce cas, le garçon peut entrer. Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que toute cette agitation? Des choses étranges se sont produites en ville dernièrement. Quelqu'un terrorise ces lieux. Vous devriez parler au maire pour plus d'informations. Allez, dégage-toi. Ah!
Et stop, qui êtes-vous? J'ai interdit à tous les citoyens d'entrer et de sortir de la coupe bleue, surtout les touristes. Je suis l'honorable amiral Barbe Bleue, et ce sont mes amis Kourou et Tap. Nous avons entendu dire que votre ville avait des problèmes. Quelqu'un terrorise la ville. Le coupable a exigé la fermeture des grottes, mais sans les grottes, cette ville n'est rien, et sans cette ville, je ne suis rien. Les grottes sont donc fermées. Nous devons y accéder avant que Bleu ne fonde dans une petite flaque toute triste. Nous allons devoir trouver ce qui se cache derrière tout ça. J'ai des soupçons sur le gardien. Il a disparu peu après le début des troubles. Intéressant. Kourou Tap, allez parler aux habitants pour en savoir plus. Je vais approfondir avec le maire. Retrouvez-moi à la mairie dès que vous aurez terminé. Pas de tous les suspects. C'est bizarre, il y a un effet flou là, je trouve. C'est Joe qui fait ça, c'est normal, hein, parce qu'on voit la vie et tout, c'est bien. Hein. C'est normal. Et vous, je suis le chapelier ici. Vous cherchez une coiffe originale. Maintenant que les grottes sont fermées, tout le monde a besoin d'un bon chapeau. Et le soleil est brûlant. Et les nuits sont froides. Non, monsieur, nous sommes ici pour enquêter sur ce qui se passe en ville. Oh, parfait. Dans ce cas, j'irai voir le jardinier à votre place. Il m'a toujours paru un peu louche. Avec son chapeau usé, qui peut bien porter une telle chose. Je ne sais. Et je sais qu'il déteste s'occuper de la plante chantante des grottes. Je suis sûr qu'il serait content de l'avoir fermée. Ah, vous devez être les détectives que notre mère voulait appeler. La première chose à faire était d'interroger le jardinier, non? Pur préjugé. Et un crime a été commis, ça doit être le jardinier. Laissez-moi vous dire une chose, mes garçons. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais Phyllis, la femme du gardien disparu, est une femme manipulatrice et dangereuse. Même après 1000 ans, je ne lui ferai pas confiance. Cours, Forest, cours! Parfait. Ah, d'accord. Bonjour les enfants, je suis Mademoiselle Fizz. Vous semblez nouveau en ville. Je peux vous faire faire le tour, surtout à moi, mon vieux. Surtout à toi, mon vieux petit singe. Nous sommes ici pour enquêter sur la disparition du gardien. Quoi? Oh, c'est vraiment terrible. C'est mon mari, j'espère qu'il ne lui a rien arrivé de mal. Trouvez le responsable, je vous en prie. Je parie que c'est le maire, il m'a toujours aimé. Il a peut-être voulu se débarrasser de mon mari pour pouvoir demander ma main. Une affaire intéressante, n'est-ce pas? Qu'avez-vous découvert, les amis? Tout le monde m'a l'air suspect. Je crois qu'il est temps d'enquêter sur la dernière scène de crime. Le coupable a abîmé un mur foulement peint en écrivant de vilains mots dessus. Prends cette poussière d'enquêteur spécial et réponds-la sur la scène du crime en appuyant sur Y. Ça devrait t'aider à trouver les indices importants. Le coupable sans avoir laissé des traces de pas vertes en chemin. Ah non, mais je les vois presque pas, c'est pas super à ce niveau-là. Bon, alors voilà. Voilà, donc les traces vertes. Si, il y a toujours des traces là.
J'ai besoin de ça. Ouais, d'accord, ça s'arrête là. Oui, c'est bon, j'ai réussi à trouver j'ai réussi à trouver mon ami dont j'avais besoin là. Voilà, donc du coup, je vais juste lui tenir. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose un peu. Vas-y, c'est là. Allez, un pinceau. Donc, on va juste vite fait. Interroger 2-3 témoins, jusqu'à. En fait, je pense que quand je vais sauvegarder, là, ça va pas. Ça va pas le faire. Allez, viens. Donc. Il est passé le second. Allez, on suit. Une odeur rose, eh bien, je n'ai pas vraiment une odeur de rose. Donc en gros, je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à voir avec tout ça. Nous nous avons trouvé le gardien, il n'avait pas grand-chose à raconter, sauf que tu es coupable sans la rose. Oh, bien sûr, je sens comme les roses. Mais voyons, je suis jardinier, je travaille la terre, et je touche, et parfois j'en mange une ou deux, ça ne prouve rien. Voilà. Alors après, allez, dépêche-toi. Celui qui a fait ça sentait comme une rose, comme votre parfum à quoi, vous êtes en train de dire que j'ai quelque chose à voir dans tout ça, mais c'est absurde. Je ne ferai jamais rien pour toi dessus mon rail. Même si je dois avouer que c'est agréable de ne pas l'avoir dans le coin. Comment vous osez me suspecter? Eh bien monsieur, nous avons trouvé le gardien et il dit avoir senti une odeur de rose, et vous sentez un peu comme les roses. Bien entendu, ce gamin, j'adore les roses, je suis le plus beau. J'ai le plus beau jardin de la ville de telle accusation contre une personne aussi honorable que moi, je suis choqué. Nous sommes désolés, monsieur le maire, nous ferons tout notre possible pour découvrir ce qui se passe. Puis je vais vous demander ce qui est arrivé à vos lunettes. Non, vous ne pouvez pas, cela ne vous concerne pas. Maintenant, faites votre travail et cessez d'accuser les personnes comme moi. Quelle plaisanterie. Les garçons, le coupable a encore frappé pendant votre absence. Que s'est-il passé? Il a renversé le panneau d'accueil du port, mais dites-moi, qu'avez-vous trouvé pour l'instant? Nous avons trouvé le gardien innocent, mais il nous a fourni de nouveaux indices. Le chapelier semble également innocent. Intéressant. J'ai parlé avec certains soldats ici et je n'ai rien trouvé. Allez, enquêtez sur la nouvelle scène de crime. Et donc, vous savez quoi? J'arrêterai ici. Et bon, on verra bien si ça sauvegarde, mais de toute façon, enquêter sur la nouvelle salle de crime, hein, je retiendrai, ça sera facile. Allez, merci de m'avoir suivi, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, et à la prochaine, bisous.